T'es ? Oh, bonjour. Bonjour. Ça va, tranquille ? Oh. Ça va ? Ça va bien, bien, bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai eu trop peur. Mais c'est complètement dingue dans cette ville-là. J'ai une hypo. J'ai vu. Regarde-moi, je suis là. Regarde-moi. J'ai vu, je sais. Putain, tu as pris à quelle heure la place ? Il y a 1h01, 2 maintenant. On va se prendre une prune. Monte ! On va se prendre un mot de la vie scolaire. Ta gueule, monte ! D'accord, d'accord, je monte. T'es l'heure gagnant. Non, c'est bon, je pars. Oui, je pars. Ça fait quand même 3 jours que vous êtes garant en double fil. Oh, ça va, ça va. Ça va, ça va, il n'y a pas mort d'homme, heureusement, monsieur la vitre. Mais vous savez qu'en tant que policier, nous, on est censé faire rien et l'ordre. Ciao, d'accord. Et attention. En tout cas, merci, docteur. Non, mais non, il n'y a pas de merci. Tu notes bien, surtout, de cacher matin, midi, soir. Les mêmes que je t'avais fait prendre, tu sais, quand t'étais petit, après ta rhino. Puis bon, si ça va pas, après, tu m'envoies un testo, puis je fais un saut par ta maison. Ouais, ouais, je file. Tu files aussi. Bon, merci docteur, hein. C'était gentil de m'avoir pris aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Non, juste. Je vous ai pas demandé votre nom et prénom pour la facture, c'est quoi ? Mira. Ah non, en fait c'est bon. Bonjour. Bonjour, voisin. Ah, vous êtes le nouveau ? Enchanté, ça va ? La résidence vous plaît ? Non, ça fait 4 ans que je suis là, moi. Ah. Bon, c'est que... La résidence vous plaît ? Alors, quand même, peut-être. Oh, c'est qui le moteur que j'entends dehors ? C'est Pascal ? Bon, je crois que c'est le fils du notaire qui est en face, là. Non, non, il a une Volkswagen. C'est le pharmacien qui est en bas de la rue, là, avec sa Punto, peut-être, alors. Bon, le fils du boucher, il n'y en a pas une ? Non, c'est Redouane, le plaquiste, qui est à gauche. Ah ben là, c'est une scénique blanche, un peu... Mais c'est ce que je dis, c'est Pascal. Qu'est-ce qu'il fout, là, à cette heure-ci ? D'habitude, il rentre 15 minutes après. Oh, Pascal ! Et alors ? Eh, je suis allé faire les courses, figure-toi ! Ah, bon. Il est parti faire les courses, pas de problème. Mais t'y étais pas allé jeudi déjà ? À toute, papa ! À toute, avant 19h. Quand tu pars du judo, active ta montre connectée que je puisse voir en temps réel où tu te situes. Cyril, active le mode éloignement, s'il te plaît. Adrien ! Quoi ? Quand tu rentres, claque bien la porte que je retrouve pas des souris dans ma cuisine. Bonjour ! J'ai réservé pour faire un tennis sur le terrain 12, s'il vous plaît. Ouais. Eh bien, vos papiers d'identité, un justificatif de domicile, mes équipes vont vérifier vos raquettes. Ensuite, on vous donnera le code d'accès au terrain pour 1 heure, si et seulement si elles respectent les normes d'homologation. J'aime beaucoup André Agassi. En cas de dépassement de la tranche horaire, vous restez bloqué jusqu'à ce que mort s'en suive. 90 euros, 120 euros, c'est 1 heure, 120 euros, s'il vous plaît. Bonjour, c'est possible de jouer sur le terrain ? Ouvre la porte. C'est magique, hein, c'est déjà ouvert. Le hockey, il est pété. Profitez, les jeunes. Merci. Eh, hey, fermez la porte après que ça fait courant d'air, sinon. Ah. J'aime bien la faire, celle-là. Aïe, ça a bloqué, là. Ouais. Pardon. On déménage, moi. Eh, voisin. Vous voulez que je vous aide à le monter avec ça par la fenêtre ? Trop cool, ouais. Hein ? On peut pas vous déranger, par contre. Non, y a pas de souci. De toute façon, j'ai vu votre plan de cuisine, ça passera pas non plus. Je vous le découpe à la scie sauteuse et puis après j'y vais. Très bien, ouais. À tout hasard, vous auriez pas une soudeuse pour des chaises en métal ? Si, si, ben je vous fais ça et puis je go. Oh, et moi je dois reconstruire un frigo. Ouais, ben j'ai les machines qu'il faut, puis j'y vais. Vous me passez votre voiture ? Ouais, on va te faire foutre et puis je file. Malheureusement, ça va coincer pour le job. Tu bac plus 7, sérieusement ? Je suis désolé, on n'accepte qu'à partir de bac plus 9. Et l'année prochaine, on passe à 10. Alors, à la limite, passer une tête au McDo. Je crois qu'ils demandent qu'un master maintenant. Bonjour, bonjour. Ouh, je reconnais une tête familière, là. C'est possible, je suis le petit-fils de Gibtien. Oh, ça me rajeunit pas tout ça, d'accord, oui. Voilà mon CV. Bon, même pas besoin. Vous commencez dans 5 minutes. Ouais ? Je vais vous faire visiter les locaux. Et la machine à café au fond, on risque d'y croiser votre père, qui traîne toujours. Ouais, salut. Oula, t'es fatigué, toi. Ouais. J'arrive de rue de Turbigo, moi. Ah merde, il y a facile 10 minutes. En métro, tu rigoles ? 12 ou 13. Tu veux un verre d'eau ? Non, du sucre, s'il te plaît, je finis pas, je crois. J'arrive. Serveur ! Dis Cyril, c'est bon, je suis arrivé, tu peux te désactiver. Eh ben, t'as fait vite.
Bon, tu rigoles, tu prends la rocade direction Saint-Louis-Spec, il y a une épicerie qui fait de super fromage, tu bifurques au virage, tu continues à balle 5 km sur la longue route où il y a les longs peupliers, tu sais. Ah oui, le peuplier avec la maison et les pins, là. Ouais, puis ouais. Après, une petite heure et demie après, me voilà, bon. Ah ouais. Je te rends ton GPS, parce que bon, il a pas su trouver l'adresse, j'ai fait à vue de pif. Ben là, je suis dans les bouchons, donc j'en ai pour une heure. Mais tu viens de partir ou quoi? Non, non, du tout, je suis au bout de la rue, là, tu peux me faire coucou de la fenêtre. Youhou! Ouais. Nickel. Ben, j'en ai pour 45 minutes, là, ça roule bien. Ouais, j'ai attendu, ça passait jamais au vert, ça a duré bien 25 secondes, facile. Il est pété, là, ou quoi? Ouais, ben, vous comprenez bien, ouais, ça m'agace de payer des impôts pour ça, quoi. Tiens. Ouais. Chier. Là, peut-être, avec un chassé. Ah, oui, mais... Bonjour, petit contrôle, s'il vous plaît. Tenez mes papiers. Ouais. Ah, mais ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour, petit contrôle, s'il vous plaît. Contrôle de quoi? De SVT? Non, non, je vous fouille 10 secondes et puis après on n'en parle plus, d'accord? Ah, ok, vous faites des guillis. C'est une connerie, non, c'est ça? Non, non, laissez-moi faire, par contre. C'est moi qui vous fouille. Non, non, ça se fait pas, par contre. Bon, allez, vous faites ça quand je reviens, vous avez mon adresse. Ouais, filez, faites gaffe, ça traîne ici. Non, rendez-moi mes clés, ça va me foutre dans la merde, par contre. Non, qu'est-ce qu'on respire depuis qu'ils ont planté cet olivier? On a bien perdu 5 degrés dans la gueule. Ah oh, ouais, j'ai l'impression d'être en Camargue, tu sais, le pastis. Corrigez ça. Ouais. Habitants de Saint-Louis-Spec, je vous ai réunis aujourd'hui pour un problème urgent. Une maison est en train de se construire rue Jolipandre. C'est un scandale! Un scandale, il y en a ras-le-bol de l'urbanisation. La prochaine étape, c'est quoi? Construire une résidence avec 3 appartements successifs? Et ils vont rajouter un panneau stop en plus. Exactement. Qui le rajoute? On va les accueillir comme il se doit. On fait un after work ce soir, tu viens? What a question. Of course, I mean. Nah. Mais pourquoi boire un verre? Y'a quelqu'un qui est mort? Non. Juste se voir en dehors du bureau. Mais y'a le week-end pour ça. On n'est pas le week-end, on est la semaine, Olivier. C'est férié demain? Patron, c'est férié demain? Non, juste comme ça, histoire de se voir en noir, profiter quoi. Puis on peut se faire un bowling si vous week-end, si vous voulez. Quoi? Je suis viré, c'est ça? Ça vous écorcherait la gorge de me le dire? Calme-toi, lâche. Ça vous dit une expo dans la plus belle enceinte architecturale d'Europe ou pas? Mmh. On peut aller se balader? Ouais, bonjour. Il y a un rooftop avec vue sur toute la ville, feu d'artifice, un DJ qui mix, hyper connu. Why not? J'ai une table de jardin, on peut la poser dans un champ. Si des expériences uniques au monde en 4D avec animation digitale dernier cri. On peut faire un truc sinon? Alors, c'est le dernier appartement de notre agence. Et la luminosité est top quand on allume les lumières. Bah c'est super, 900 euros, il en fait le double. Ouais, mais tu... attendez, regardez, vous pouvez même rentrer de profil, tous les deux. Bon, face à face, c'est bien aussi. Non mais de toute façon, c'est bon pour nous, hein. Je vois déjà les enfants courir partout. Formidable. Courir, je sais pas, peut-être qu'ils feront de la lutte. Ou du contorsionnisme, je sais pas, je m'en fous. Ça va? Non, je sors, je fais une crise. Bah bon, Ouais, je suis claustro. Ouais, vous avez 150 mètres carrés, 5 mètres de hauteur sous plafond, 445 euros. Ça aurait été pour moi, ok, mais là on est deux, hein, ça va être compliqué. C'est ce que j'ai dit à l'agence, ils m'ont dit de vous montrer quand même. Non mais oubliez, il n'y a même pas la place de foutre une deuxième piscine au cas où. Ah ouais, non mais ça doit te faire bien fou. Je te dis pas. Ah ouais, c'est subtil, là. Bon, tu rigoles? Stéphane, lui dis pas qu'il a acheté un double vitrage pour pouvoir se la péter. Bon, arrête, n'importe quoi, c'est pas vrai. Attends. Mais quoi? Trop bien. C'est pas le dernier coup de chisse, hein? Mais si, de ouf, je le mets tout le temps. Oh, la chance, trop bien. Ah ouais, monsieur se prend pas pour n'importe qui, quoi. C'est sympa, le SUV. Ah, oh, on me l'a prêté. Ouais. Exposer ta richesse à la gueule... Je sais pas trop, je suis mitigé. Ouais. C'est une Casio, ta montre? Ouais. Ah ouais. Monsieur a un certain standing, quoi. C'est un milliardaire, lui, hein? Ouais, non, c'est une fausse, ouais. Je m'en fous, en fait, je la casse. Voilà. Ah ouais, monsieur se permet de la péter, quoi. Tranquille.
Ça se voit, tous les deux, vous connaissez par cœur, en fait. Oui, mais ça fait depuis le lycée qu'on se connaît. Mm. Un peu moins, j'étais à Voltaire, t'étais dans le quatrième. C'est vrai. Mm. Non, ça fait 2 ans. J'ai rien vu passer du tout, c'est passé à une vitesse. Oh, mais c'est un peu comme mon frère. Ok, le mec veut me faire pleurer, d'accord. Bon, on se connaît depuis quoi? Depuis les couches, moi. Oui. C'est beau, une amitié si longue. Oui, on n'avait pas trop le choix non plus, hein. On était de ce gamin du village, hein. Bon, t'es... c'est une brave bête quand même, hein. Il est fidèle, hein. À touche. Pardon. Bonjour, j'aimerais rencontrer le maire de la ville au sujet d'une proposition. Ouais. Vous voulez des petits fours avec? Oh, PA! Viens voir, j'en ai un trop bon devant moi, là. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Hey, on vous réveille ou quoi? Dites-moi, j'ai envie de me faire construire une piscine devant chez moi, j'ai l'autorisation de monsieur? Ouais, je vous ai déjà laissé déborder sur le parking de la commune avec votre jardin. Georges, il viendrait vous baigner. Bon, je me serais levé d'une mauvaise sieste, j'aurais dit non. Ouais, bon, mais merci. Monsieur le maire! Georges!